Yon l'autre fois, go bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Mediana là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Mediana et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Mediana là. Bien, nous va pas perdre de temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'avec nous, dans l'ESA sur Télévision Nationale d'Haïti. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour l'autre numéro mise au point. La mise au point jeudi, nous prenons la bas de bouche sur le dernier événement. Nous connaissons qui a produit dans le pays dans la nuit 6 pour l'ouvrir 7 juillet. Assassinat, président Jovenel Moïse, la CAILI, n'appelle le R5, commune à Pétionville. Et nous songeons pendant tout un temps ça, ensemble de crimes par suspendre commettre en dedans le pays. Et nous prenons mener à ça, nous connaissons qui passait dans la nuit 6 pour l'ouvrir 7 juillet. Funérailles nationales qui se fête 23 juillet, absence quelques secteurs dans la ville nationale avec quelques personnalités soulevées, et tension qui était gagnée autour de funérailles, ça, enquête cap menée pour faire lumière, puisque question que tout le monde a posée, bien puis formons dans la population, c'est à qui profite ce crime, pour qui ça c'est comme ça s'est passé, pour qui ça c'est réalité ça nous gagner jeudi. C'est vrai, ça fait déjà plusieurs années. Des siècles, même depuis ça n'est pas arrivé dans l'histoire du pays d'Haïti, un président mourit assassiné, mais dans le cas ça, c'est assassiné dans la chambre, la CAILI, qui le sont Haïti besoin de tirer de sa passé à pour ne pas obligé de répéter, l'en tenu compte de tout ça n'a bien comme difficulté pour les économiques, hein, et la richesse, et tout ça qui marche avec eux. Qui ça tout, nous sommes capables de faire, je dis, pour nous mieux gérer l'après Jovenel Moïse. C'est quelque part une question qu'on a regardé. Une émission, je dis, avec une personnalité bien indiquée, qui était d'ailleurs côtoyé président Jovenel Moïse dans la campagne et même pendant le dirigé PIA. Ancien Premier ministre Evans Paul, c'est invité nous matin. Monsieur Paul, merci en pile parce que vous êtes disponible pour TNA jeudi. Bonjour Monsieur Lindor, c'est toujours avec plaisir de répondre à l'invitation. Bonjour technicien en régie et bonjour téléspectateurs, téléspectatrices télévision nationale. C'est vraiment avec Kessiré. Nous avons brassé l'idée dans un contexte très difficile suite à l'assassinat du président Jovenel Moïse, dans des conditions révoltantes que tout le monde connaît, qui frappait ma pile, qui indiquait ma pile. Alors, j'espérais nous avoir une inspiration pour nous partager ça nous croit, ça nous pensait, et ça surtout nous souhaiter qu'à bon pour le pays dans l'émission ça. Ma précision, tu fais partie de personnalités qui étaient présentes dans Madeleine, dans la ville de Cap-Haïtien, pour funérailles nationales. Mais on vient d'arriver là, M. Paul. Comment tu as appris une nouvelle si c'est juillet? Eh bien, dans la cabane, je n'ai pas dormi longtemps, je suis couché tard. Et puis, je suis presque fait dormir. Le téléphone n'a pas sonné. Alors, quand le téléphone n'a pas sonné, le téléphone n'a pas sonné vers 2h30 du matin, on m'a dit ça a passé. Et là, ça a quand même appris. Là, je prends le téléphone, là, son ami qui dit, si je compte ça qui a passé, je dis, ça qui a passé, il dit, il a attaqué le président. Bon, moi-même, je pense que son événement mineur, attaquer le président, moi, je connais que le président a une disposition de sécurité solide, il y a 3 unités, de la police, il y a USGPN, il y a USP, il y a 4 teams qui sont là, qui sont dédiés pour la sécurité du président. Alors, je pense peut-être qu'il y a une attaque. Même pas de quoi que la privée dans l'assassinat président. Et là, un peu plus tard, où il me a parlé d'assassinat, je me suis refusé quoi c'est vrai jusqu'à ce que la nouvelle là confirmée. Et juste côté ma parole, voilà, moi sous choc, moi toujours pensé son rêve, je ne peux pas comprendre. Nous connaissons tous les cas mourir, nous tous les cas mourir, lors de la politique, ou cas mourir en violence. Mais dans la condition ça passé, c'est une honte national, et c'est un événement vraiment inacceptable qui avilit l'image PIA davantage. Comme fait observateur, mon qui a fait politique longtemps et qui a observé le mode gouvernance président Jovenel Moïse, prise de position Lyo, est-ce qu'on estime à un certain moment ça t'est arrivé là, arrivé dans assassiner la CAILI par exemple? Non, je n'ai jamais pensé ça, puisque nous toujours bien laissé frapper politique. Mais nous n'arrivons pas à un extrême assassiné président. Pas oublier, historiquement, deux derniers présidents qui mourent sous pouvoir, ils ont mouru de mort violente. C'était Wilbur Guillaume Sam, c'est en 1915, ça fait 106 ans.
Et l'autre président qui mourit sous pouvoir de mort naturelle, c'était François Duvalier. C'était en 1971, ça fait 50 ans. Alors malgré qu'on ait turbulence, coup d'État, arrêté président, exilé président, mais nous ne sommes jamais vraiment arrivés dans l'extrémité tuer président. Même si dans l'histoire, nous, il y a 5 à 7 présidents qui mourent mort violente. Même si 5 à 7, il y a 7 qui ont touillé ou bien ont sauté parler avec eux. Il y a 2 qui mourent de mort violente, c'est Henri Christophe qui était suicidé tête lui. Et il y a Richer qui était mort d'empoisonné, c'est mort violent quand même. Et, à part ça, il y a 5 autres présidents qui mourent, c'est 2 morts naturelles. Par exemple, Alexandre Pétion, c'est un là-dedans. Florville Hippolyte, c'est un là-dedans. François Duvalier, c'est un là-dedans. Alors, au total, il y a 12 présidents qui mourent sous pouvoir. Il y a 5 qui mourent de mort naturelle. Il y a 5 qui mourent vraiment de violence terrible. Jean, président Jovenel Moïse Mouria, premier, c'était Jean-Jacques Dessalines. Et il y a 2 qui mourent de mort violence tout. Christophe, c'est le souci de tête parce qu'il était venu tuer. Et Richer qui était mort d'empoisonné, ou même accusé sous look dans la mort, monsieur. Mm-hmm. Parfait. Là maintenant, la situation c'est ça lié. Président qui mourit assassiné. Qui, selon vous, qui groupe monde qui est capable de profiter d'une situation comme ça? Question qui paraît depuis toujours venir après ça, c'est à qui profite ce crime? Alors, la question ça, ce sont questions qui gagnent plusieurs aspects là-dedans. Il y a un aspect sociologique. En pile fois, il dit à qui profite le crime. Et je pense qu'il faut faire un débat sur le crime. Crime n'a droit de profiter à un monde qui va gagner pour le droit. Je vais prendre l'exemple. Si un monde est dans succession ou l'autre, par exemple, où son vice-président, le président mourit, ou profiter de crime parce qu'il est président. Mais ça ne veut pas dire où tu es participé dans le crime. Alors, il y a un monde qui doit profiter de crime, l'été, contribuer à faire crime pour justement profiter de lui, mais il y a un monde qui doit profiter de crime sans que il pas associé dans le crime. Alors, question à qui profite le crime, il faut faire très attention dans les gens qui l'utilisent pour ne pas prêter à équivoque. Oui, on peut parler de monde direct ou indirect. De toute part, il y a des gens qui planifient ça passer, ça passer, il passe pas sur le ciel, puisque tout parle de commando. Alors, on parle de complicité. Alors, je pense que il faut une différence entre qui est qui complice le crime, ou bien qui est qui a un intérêt dans faire crime, plutôt de poser le constat, parce que à qui profite le crime, les cap créent une bonne suspicion pour rien. Par exemple, il y a un monde aujourd'hui qui est ministre, si le président Jovenel n'est pas mort, il n'est pas ministre. Mais il n'est pas gagné pour le crime. C'est un hasard qui fait le président mourir, la configuration politique l'a changé, le ministre, par exemple. Alors, moi-même plutôt poser problème là, en termes de complicité. Qui moun qui a intérêt pour ta associer dans une démarche comme ça, et au-delà de moun qui a intérêt, qui moun effectivement qui dépense quoi pour faire crime? Parce que je dis, il y a plus gros préoccupation haïtien. Il dit son crime qui coûtait l'argent. Parce que pour faire et plus que 2 douzaines de personnes sortis dans le pays étranger, viennent dans le pays, il faut payer, il faut loger, il faut payer avion pour eux. C'est gros, gros l'argent. Gros l'argent dépensé. Parce que les gens qui ont mouru sont excités, qui tirent les gens, mais sont trahisons, sont dans la sécurité, etc. Là, il y a un complot qui est assez vaste. Mais l'essentiel du complot, ce n'est pas seulement l'exécution du crime. Il ne faut pas avoir seulement les gens qui touillent le président physiquement, mais qui fait le tort ou qui fait le souffrir. C'est atroce. Casser les pieds, les gens casser les poings, les péter les yeux. Ce sont les gens qui souffrent en pile. C'est-à-dire qu'il y a fait le payer pour un bagage, il était fait, il a fait le payer pour un bagage, il était dit. Non seulement tuer, mais faire le souffrir avant de mourir. Nous trouvons ça c'est extrêmement dur. Maintenant, il y a des gens qui mais les gens ne sont pas faits sans motivation. Il y a des gens qui voient et faire. Et la principale préoccupation du peuple haïtien aujourd'hui, c'est qui est qui commande les crimes. Alors, est-ce que nous ne pouvons pas regarder tout le climat sécuritaire pays de manière générale? Une semaine avant, nous sommes passés Diego Charles,
et Marie-Antoinette Duclair dans Delma 32, une dizaine de monde qui perdu la vie, c'est un véritable carnage. Et nous pas capable négliger ça qui passe Bel-Air, Cité Soleil, Cafoufeu, Delma 2, Matissan, jusqu'à présent, réalité à tout difficile. Est-ce que nous sommes obligés de comprendre l'assassinat de Jovenel Moïse à tout par rapport au climat sécuritaire général pays, hein, M. Paul? Malheureusement, nous sommes obligés de mettre la donne et nous sommes obligés tout dénoncer tout l'autre acte assassinat qui est fait en vain. Parce que l'assassinat du président Jovenel Moïse fait exactement une semaine après, jour pour jour, mardi pour mercredi, dans la nuit, pas comme si ce n'est pas même l'heure, ils ont assassiné Diego Charles et Marie-Antoinette Duclair dans la zone Christois d'Elma 32. Et puis une semaine après, c'est pour un tout pas président Jovenel Moïse. C'est sûr que, bon, situation d'instabilité politique, bon, une situation d'impunité qui fait moun mourir, mon Figueiredo va mourir, étudiant mourir, il fait pile massacre dans le quartier populaire, dans la Cité Soleil, dans Bel-Air, dans la Saline, dans Martin Saint-Jean-Tabdili, Grégory Saint-Hilaire. Et tout ça, pas jamais clarifié. Avant de créer une ambiance d'impunité, qui fait, un mercenaire, peut-être qu'il vient tuer un président, il est capable de faire une cartographie du pays. Il a dit pays, ça, l'offre de tuer un monde, il a passé bien. Qui fait, il y a un peu l'autre monde, il n'a pas passé, ou il a tué le président, tout, rien n'a pas passé. D'autant plus que, le climat, c'est comme si c'est normal de tuer un monde en Haïti. En plus, le président Jovenel Moïse, c'est un monde qui a été décrié dans l'opinion. Alors le fait que, bon atmosphère, son monde, peuple a parlé, ouais, et je pense, là, c'est analyse m'a fait, peut-être mercenaire ou quoi, là, nous finissons tout, monsieur, le peuple a tellement content, il pourrait le porter nous comme héros. C'est peut-être ça qui explique quelques heures après, il était dans la même zone, la population arrive à mettre main sur eux. Alors, je pense qu'il y a des gens qui contribuent à un crime, non, sans que vous ne connaissiez, dans l'excès de langage, et qui crée un climat. Et là, je pense qu'il faut profiter par la mise en garde sur Sam Karelé, légèreté de la parole. Parce que la parole sont armes à double tranchant. Les cas fait bien, mais les cas fait un pile mal tout. Surtout leur vilipender au monde, ou qu'a fait railler au monde. Et il y a un proverbe haïtien qui dit, ça qui dit mes couleuvres là, c'est le touye couleuvres là. Alors je pense que c'est une ambiance politique et ambiance ça, Jean-Président Jovenel Moïse. Et mourir, si nous pas dénoncer les, en pile d'autres monde qui a mouru comme ça. Ils ont commencé par assassiner caractère, et puis après ça, ils ont éliminé physiquement. Mais est-ce que tu dis, est-ce que c'est pas faiblesse dans les gens autorité au gouverneur, dont le président Jovenel Moïse, qui vient créer conditions, qui vient créer climat ça, les décisions pas prendre, institutions pas renforcées, notamment la justice, et puis l'État peut continuer à faire route lui, ou pour citer exemple M. Doval. Bon, il y a l'année, parce qu'il y a l'année là, où il y a une lumière faite sous lui. Est-ce que ce n'est pas de ça tout président d'une victime n'a pas pris une décision que le devait prendre pendant le temps de diriger le pays? Qui est-ce que je veux dire? Je ne connais pas qui monde sous la terre, qui est humain, qui n'a pas de défaut, qui n'a pas fait erreur, qui n'a pas commis de faute, qui n'a pas de faiblesse. Haïti a eu une malgouvernance depuis 217 ans. Monsieur Jovenel Moïse, j'ai un héritage. Mais c'est ma fatalité. Moi-même, je ne suis pas un monde qui exagère. Ce n'est pas parce que le président Jovenel Moïse mourit qui fait me dire son sainteté. Je ne suis jamais qu'on dit ça. Et je ne suis traité comme saint. Nous avons une relation avec elle, c'est une relation critique. Là, pour me prendre distance, pour m'exprimer divergence, là, dans le micro, ça me confère. Ça veut dire que je ne suis pas comme un bon Dieu, il n'est pas de bon Dieu. Mais la question n'est pas là. Nous ne pouvons pas le dire parce qu'on a été mal gouverné le pays. Et puis c'est tout pour tout. Parce que gagner justice pour ça, tout le monde a mes yeux sous l'IEO. Lorsque c'est citoyen, quand tu as dirigé le pays, quand tu es simple citoyen, eh bien, on est devant la justice. Et personne ne peut faire tête de justice. Pour si on a un problème à un monde, soit on parle de gens, tu pour faire une émission là, on n'est pas arrivé. J'ai abordé des questions, je ne parle pas de mes questions posées, mais puis je parle besoin de tout ça. Non, non, il faut plus tolérant. Je pensais que M. Moïse était commettre des fautes. Non, je ne t'ai pas géré le pays. Mais ça,
pas qu'à justifier pour assassiner. Mais c'est totalement inacceptable. Ce n'est pas un prétexte, ce n'est pas un argument que personne n'est capable d'avancer. C'est parce qu'on t'a parlé tout à l'heure d'impunité. Hein. Mais dans, si tu as des dispositions que tu prends, même qui parle de faire tu as réfléchi, vous connaissez que ça arrive si nous faisons bagarre. Bien sûr, il faut nous camper en côté. Mais l'ambiance de l'impunité, même s'il y a impunité, pas vous dire l'autre monde qui a gardé nous là, comme nous sommes cités dans un cas de violence, de monde qui a touillé, et puis pas de conséquences, et puis ça veut dire son licence. Nous n'avons pas le droit de touiller nous. Et ce n'est pas seulement la loi qui condamne ça. Dans 10 commandements de Dieu, Dieu pas touiller nous. Nous n'avons pas le droit de tuer, point final. Et même en Haïti, même dans la loi par nous, nous retirer peine de mort. Même du point de vue juridique, nous ne pouvons pas tuer les gens. Nous voyons ça dans la législation actuellement. Alors, je pense que tuer les gens n'est pas là-dedans. Alors, bien quand on parle avec un ancien premier ministre qui a parlé d'État avec lui en termes de sécurité, et l'autre est primature, ça de qui ça, au président, la CAILI, qui a toute unité ça au cap veillé sur lui, et puis il est rentré dans la chambre. Selon données disponibles, il a assassiné et pas gagné une agence de sécurité, que je sache, pas avoir données disponibles toujours, qui m'a blessé. Ça veut dire ça comme ancien responsable dans l'État. Bon, moi-même, je ne peux pas comprendre ce qui s'est passé. Et parce que le président de la République, c'est le monde qui peut protéger dans le pays. Et c'est normal. Et il peut protéger de manière professionnelle et institutionnelle. Les trois unités de la police qui ont pour mission sécuriser le président, USGPN, USP, CAPTIM, c'est des gens qui ont entraîné, qui ont fait travailler ça depuis plus que 25 ans et qui déjà sécurisé 4 à 5 présidents de la République. Pas jamais des bagages comme ça qui passent. Et considération capable de faire nous négligeants. En plus, nous capable de dire complicité. Bon, moi, je m'en quitte complicité. Hein. Pour la justice. La justice a ouais si il y a une complicité ou pas, parce que je ne suis pas juge, ce n'est pas moi-même qui peux stigmatiser personne. Mais nous négligeons. Peut-être si le président Moïse était là quand il est pour contre lui, il n'est pas rentrer dans la chambre de prendre. Parce que je vais le dire. Sauf qu'on a une sécurité, qu'on négligence ou fait. Mais si je connais la carrière, je fais, mais peut-être, il y a des dispositions, il y a une vigilance, il y a une barrière. Si je suis barrière, depuis le temps des barrières, et branler, m'a commencé à mettre en garde. Parce que quand même, pour atteindre la chambre du président, il faut traverser plusieurs étapes. Et ce n'est pas seulement la maison. Depuis l'entrée Kaila, il y a une bande d'étapes où tu as supposé traverser pour atteindre le président. Bien sûr, il y a un subterfuge, puis on dit c'est dit hier. Comme son agence américaine liée, il doit entrer à n'importe qui, n'importe qui l'heure. Et ça, tout son brèche nous est créé. Son brèche nous est créé. Et il faut nous reposer question ça. Et ce n'est qu'à permettre une institution internationale de venir faire opération pour arrêter mon pays. Mais est-ce que qu'on fait comme ça tout? Et maintenant, il y a toujours une coopération internationale. Par exemple, il y a Interpol. Si on un citoyen haïtien ou bien étranger qui font crime, il faut le venir juger en Haïti. Eh bien, ce n'est pas la police haïtienne qui pourrait aller aux États-Unis ou bien dans l'autre pays pour l'arrêter maintenant. C'est la police locale là capable de prendre disposition selon le mandat gagné pour faire mission. Alors, c'est des bagailles pour nous régler et il faut nous profiter justement de l'événement ça pour nous mettre l'ordre dans le gros désordre nous gagnons la caille nous, qui crée brèche pour un crime qu'on s'est fait. D'ailleurs, il y a une opinion sur ça, M. Paul. Nous avons gardé ça passé dans l'année 6 pour le 7 juillet, quoi que Jovenel Moïse est victime d'un vaste complot. Il y a des gens qui ont dit que Jovenel Moïse a été livré. Ce n'est pas n'importe qui dit, c'est Madame Ni. C'est Madame Ni, Madame Martine Moïse, première dame, qui dit dans un discours hommage, il est apprendre dans le funérailles du président Jovenel Moïse. Et le discours, ça, c'est pas un discours improvisé. Son discours écrit, et même pas quoi son discours qui écrit n'importe qui, genre, chaque mot, chaque phrase. Qui était sorti dans la bouche de madame, nan, ou senti moyo te réfléchi, phrase te réfléchi. Alors, je pensais que discours ça, son discours historique, son discours référence tout pour enquête qu'a fait, parce que madame Moïse, c'est témoin privilégié dans le crime ça qui fait. Témoin privilégié pour des raisons, non seulement elle était là, mais comme monde qui est plus proche
président Moïse, gen bagay li konn tande, gen bagay li konnen, ki kapab ede yo fè enquête la avanse. Alors parce que là madame Moïse parlait de dit président Moïse était loyal envers eux. Mais au trahil, il a abandonné. Alors on k'ap tande, k'ap suiv, t'a dit c'est trahison, on trahit, faut que monde qui connaît, qui rapport avoir qui même zanmi. La trahison c'est toujours un bagage interne. Et n'y pas qu'à trahir. Toute trahison, non, toute trahison sont bagages internes. Trahison, je dis Judas a trahi Jésus parce qu'il était un disciple. Alors, une trahison, c'est toujours un bagage interne. Le mot trahi, c'est ça que fait me dire les mots, gagner un place. Mais cependant, gagner un bagage qui est arrivé tout, nous sommes capables de créer une ambiance de suspicion généralisée, injustifiée, si que bagage n'a pas précisé. C'est ça que fait, il faut gagner justice dans nos pays. Et il faut la justice trancher en toute impartialité. Quelle que soit l'implication que tu as dans la mort du président Jovenel Moïse, que c'est implication nationale ou internationale, il faut quelque part, peuple haïtien, hein, et comme crime, les vénons crimes qui ont une dimension internationale, que l'humanité comprenne qu'on est ça qui est passé 6-7 juillet 2021 en Haïti. Au courant, vous attendez Mme Moïse déjà, et la justice attendait déjà. Non, pas au courant, m'espérer ou bien penser que ça supposé. Parce que là, autant de monde, il y a des gens qui sont toujours mal interprété, autant de monde, il y a autant de n'importe qui monde. Parce que il y a un principe qui est témoin à charge et témoin à décharge. C'est-à-dire, ou quand autant de monde, parce que l'APD enquête là avant, c'est non-sens, ou quand autant de monde tout, l'APD compréhension dans l'enquête là, ça va dire chaque monde y autant de. C'est parce que mon a impliqué, c'est parce que je suspecte mon, parce que penser mon a tenu en position, les gains information, qu'a gagné qui a aidé, il joint une vérité sous recherche qu'a fait pour clarifier ce qui s'est passé. Je dis tout à l'heure, nous d'accord sur lui, ces amis qui trahissent, qui intègrent aux amis, mais les gens qui entourage, président Moïse a gagné pour t'a livré comme ça, selon vous. Non, trahison sont barrés qui fait pour plusieurs raisons. Les cas faits par raïssement, on doit raïr pour talent, on doit raïr pour son gagner, il pas gagner, on doit trahir tout par intérêt, c'est-à-dire c'est pas motivation personnelle mais non position privilégiée pour mon entrer là pour venir attaquer dans le studio, il faut bailler l'autre pour l'entrer. Peut-être mon il n'est pas trahi de son propre initiative. Il est trahi à partir d'une circonstance d'une opposition. Il a sollicité la trahison. Alors tout ça, c'est des bagages, il y a des gens qui sont techniquement bien placés, il y a des scientifiques pour ça, qui sont capables de voir tout le monde qui est en position pour trahir. Parce que qui est le monde qui est en position pour trahir, c'est le monde qui est capable de faciliter le crime. Si un monde n'a pas accès à un président, ou pas qu'on a l'habitude, ou pas qu'on chamne, ou pas qu'on ouvre porte, ou pas qu'on qui gens l'organiser vie privée, parce que quand même ils ont vie privée, même à l'intérieur d'une maison, il y a des gens qui fonctionnent dans la caille. Alors il y a des gens qui sont disposés des informations privilégiées, parce que même pour mercenaires, si c'est mercenaires étrangers que tu es vrai, il faut des informations dans qui espace dans la caille, comment l'a fait et arriver dans la caille. Mais ça, je ne sais pas, fais trop de commentaires sur vous, je pense que si il y a des CPJ, si il y a un FBI qui est en enquête là, je pense qu'il y a assez de capacités techniques pour chercher lumière et porter lumière pour tout le monde qui a besoin de comprendre ce qui est passé. En gros, je vous dis tout à l'heure qu'il y a attention à l'intérêt et mon cas de monde pour question d'intérêt. Ou même qui t'a suivi et gouvernance et président Moïse, est-ce que vous estimez qu'il y a un intérêt que vous avez touché, qu'il y a qu'à déranger 100 millions à quelqu'un qui n'a pas 100 millions? Au début président, on a touché un peu l'intérêt. Un président, c'est un monde qui normalement grand pile ennemi. N'a qu'à président Moïse. Mais c'est normal. Quel que soit président, voit lui-même qui était non-rivalité avec un pile secteur dans le pays. Il était gagné un secteur était oligarque. Que l'été qu'on a frappé avec eux tout le temps, l'été qu'on ciblé eux, stigmatisé eux. Alors, en pile, monde est capable de penser, monde, c'est qu'il a raison. Moi-même, je ne vais pas stigmatiser personne. Mais,
Et puis, des fois, tout dans la vie, ou quand tu es content au monde, ou vous m'avez la veille, et vous mourrez par la suite, vous dites que c'est exact avec vous. Peut-être que ce n'est pas ça. C'est ça qui fait faut que la question soit clarifiée. Dans le théâtre, vous m'avez écouté le théâtre, vous avez gagné un scénario qui a déroulé, qui attire l'attention pour dire crime ou bien aboutissement, histoire l'a débouché là, et puis finalement, les menons l'autre côté. Alors, je pense que faut qu'on fait très attention. C'est vrai, le président Moïse est allé se frapper avec mon littéral et oligarque. Et ma difficulté, non, moins se laisser frapper avec l'opposition. Parce que l'opposition qu'on critique, elle est mandée pour l'aller, mandée à le finir, etc. Mais lui-même, il toujours répond pas, venez chita, venez parler, etc. Je ne trouve pas trop vraiment acide par rapport à l'opposition. Je pense que la bataille-là t'est semblé une bataille rangée sous question contrat et patati patata. Mais il faut faire très attention. Il y a des gens qui profitent de la bataille ça, et puis qui fait crime, qui pensent, puis ça, des gens puissent privilégier. C'est ça qui fait fort, on fait très attention. Les gens qui regardent là, les jeunes, les gens qui sont dans l'école de droit, pas nous pensons bagaille, et puis ça nous ouais, paraît comme perception, et puis nous prenons comme la vérité. En crime, c'est des spécialistes qui font enquête sur lui. Il y a enquête qui a mené, où il y a des gens déjà arrêtés, il y a des avis de recherche qui mettent contre des personnalités, haïtiens et même étrangers. Par rapport avec PISOA qui a pu explorer là, où est une seconde route pour Jovenel Moïse à la justice. Bon, je pense que a gagné une certaine justice. A gagné une certaine justice pour plusieurs raisons. Parce que son président de la République qui mourit, moi je dis ça déjà dans l'autre occasion, le fait que son président mourit dans la condition de mourir, ça a inquiété un peu le monde qui est président, quel que soit le niveau président, quel que soit dans le pays le président. Et ça voit un message by tout président dans le monde qui a senti sécurité menacée, si vous avez un président facilement comme ça, et si le crime n'a pas fait une fête, pas gagner une lumière qui fait sous lui. Alors en ce sens, il y a une implication internationale dans l'enquête qui a fait là. Moi, je pense à gagner une certaine vérité juridique un jour qui a fini. Il y a des gens qui ont dit, enterrement pas de fait, tout en pas de justice, je dis, enterrement capable de faire, ça n'a pas changé rien parce que cadavre, président, parlez déjà, parce que vous avez besoin de cadavre là, pour voir dans quelles conditions le mourir, je pense qu'il faire autopsie, il y a tout élément d'information technique qui est capable de faire une enquête et continuer. Mais vous n'êtes pas capable de rabâcher l'enquête là tout, juste pour faire plaisir, courir sur le passé. Vous avez une piste et puis piste là, ce n'est pas vrai piste là. Alors je pense qu'il faut prendre le temps qu'il faut pour faire enquête là. Et il faut faire très attention pour ne pas tirer, et pour chaque monde ne pas tirer pour conclusion. Bon document, CNN et Métier dehors, comme quoi tu as gagné des obstacles à aboutissement, enquête, et président Jovenel Moïse, ça ne pas dire rien. Bon, normalement, on crime comme ça. Il y a des gens qui font, il y a des gens qui impliquent là-dedans, il y a des gens qui complices là-dedans. Il est possible qu'il y ait des pressions de coulisses d'une manière ou d'une autre. Et puis, il y a une politique haïtienne perception, parce que dans la réalité haïtienne, ils ont condamné les gens sur les réseaux sociaux en pile. Automatiquement, non, les gens cité, ils vont au mandat Bali. Ça a déjà mis une situation très inconfortable. Il y a des gens qui ne doivent pas t'arrêter, mais ça arrive. Et comme nous avons un principe de chercher par un de tous côtés, il y a des gens qui ont fait des marches pour réparer les ou bien pour faire la catimini, etc. Moi-même, je pense qu'il faut que justice la fête. Il faut le faire sans parti pris. Et l'homme dit sans parti pris, il ne faut pas faire dans la démagogie tout, tant qu'il y a des gens qui ont utilisé le cadavre pour régler les bagailles politiques, profiter de régler les bagailles au monde, profiter de barrer ou ta monde qui est potentiel, qui est candidat. Il ne faut que nous pas faire ça. L'on bien sorti de l'autre côté, passer en plus le Dominique Kenny entre en Haïti, pour ne pas au courant. Ça c'est possible. Ça c'est possible. Il n'y au courant. Vous n'êtes qu'à placer pour au courant. Mais il n'y a pas au courant. Tout. Parce que pas rien qui pas infaillible. Moi, là, on dit ça. Puisque je n'ai pas d'informations, je n'ai pas dit au courant ou bien pas au courant. Et moi seulement prends 11 septembre. Aussi puissant que les États-Unis impuissant, eh bien, théorie attaqué la Kaili, nous avons vu ça passer, World Trade Center, il a attaqué Pentagone, etc. Alors, quel que soit le service secret,
il y a une limite. Le président Moïse qui mourit, ce n'est pas quelqu'un qui dit pas qu'il mourir dans l'attentat, non. Mais tout le monde surtout critiqué Jean Bagay l'a fait facilement, sans résistance. C'est lui qui mourit. Et puis deuxième monde qui est victime blessé grave, c'était madame. Alors on dit qu'il y a certaines justices qui a fait. On prend précaution pour dire ça. On va dire une justice certaine. Ben, m'obliger prudent dans ça m'a dit. Et tout ça me dit, je réfléchis. Parce que je ne parle pas la queue, je ne parle pas la tête. Ça m'a dit que ça qui arrivé, le président Jovenel Moïse passe ça coup un pilote pour nous passer. Mais Doval par exemple, Jean-Dominique par exemple. Il est possible que vous êtes capable de bailler une information officielle qui n'est pas cadrée avec toute la vérité. Mais ce n'est pas seulement le cas de Jovenel Moïse. Il y a le cas du président Kennedy. Il a assassiné aux États-Unis en fonction en 1961. Jusqu'à présent, l'hypocrite. Qui est assassiné. Il y a des données disponibles, mais jusqu'à présent, quel que soit américain, toujours gagné en pile les doutes sur qui est-ce qui tout est, que j'en mourir, etc. Les États-Unis d'Amérique. Alors, l'homme mourit ou mourit. Maintenant, moralement, on a besoin de justice pour nous suspendre tout le monde, mais qui mourit, elle mourit net. Mais qui est responsable de Haïti bien s'il pas décidé de faire lumière sur ça passé 6-7 juillet. Ah non, si lumière pas faite, nous sommes dans la jungle. Nous déjà, nous avons une situation d'intolérance et de violence, nous sommes dans la jungle. Nous avons systématisé la pratique jungle en politique. Là. On n'est pas d'accord avec le monde parce que son message. Son message, si on a tout un président facilement, mais son message qui dit, et c'est un citoyen. Yo. Personne ne parle à l'abri. Parce que le président, quand même, son symbole de la puissance publique. Et c'est le premier citoyen du pays. Si lui-même, il n'y a pas de sécurité, si lui-même, il a catouillé facilement, eh bien, n'importe qui monde dans la rue a un problème à au monde, il doit dire, bon, si il a catouillé un président, il a catouillé tout. Alors, je pense que même pour morale sociétaire, au-delà de justice, pour la personne du président Jovenel Moïse, qui sont citoyens, doués. Lumière doit faire sous calité pour tout l'autre citoyen qui est victime dans mauvaises conditions. Mais pour morale société, il faut que justice faite sur tout l'autre cas, mais en particulier sous cas ça. Là, nous avons un gouvernement, il y a la tête du docteur Ariel Henry, il y a les États-Unis qui voyaient un envoyé spécial, qui déjà mettait bout la première série de rencontres qu'il a gagné. Nous, tant des premiers qui parlaient de nécessité pour que gagne l'élection, pour établir sécurité, et c'est une et, motivation en compte envoyé spécial président Joe Biden. Non. Là maintenant, qui sont ouais, qui possible je dis, à, par rapport avec sa gouvernement bah, et comme mission, et réalité la prendre je dis. À. Bon, il y a deux bagailles pour nous considérer. Nous obligés de considérer obligatoirement la succession de M. Jovenel Moïse sous deux plans. Il y a une succession intérimaire, c'est là dans nous là. Et pour quelqu'un, il y a une succession ouverte, démocratique, qui doit être faite dans l'élection. Succession intérimaire, là, il y a une controverse là-dedans. Comme nous sommes pays en crise, ce n'est pas au lendemain de l'assassinat du président Jovenel Moïse que la crise n'a pas le suspendre. Mais il y a un effort pour nous faire une trêve, pour que nous faire en sorte que le pont qui peut mener vers succession ouverte là, nous pas fragiliser. Parce que nous avons tourné finalement à l'étape de plus en plus paria. D'ailleurs, même dans le funérail président, où il y a des gens qui ne sont pas calés, il y a des personnalités haïtiennes qui ne sont pas calés, où il y a une délégation américaine qui est obligée de quitter la cérémonie parce que ZAM a tiré aux alentours de l'habitation quand tu as fait la cérémonie, il n'y a pas de garantie pour la sécurité. Yo. Ou est par un président de l'autre pays qui vient, je ne pense pas que c'est parce qu'il n'a pas venu, c'est parce que vraiment le pays n'a pas offert aucune garantie et pour sécurité, etc. Et là, il faut prendre conscience, bataille pour pouvoir, bon côté pour le camper. Et je pense que faut nous organiser bataille pour pouvoir, dans l'esprit, vivre ensemble. Et il n'y a pas d'autre chemin que l'élection, que renforcer le système démocratique là. Il faut nous tenir compte de faiblesse institutionnelle. Et je dis, à quelle que soit la route que nous prenons, il y a deux considérations majeures. La première considération majeure, c'est le chantier urgent qui doit être fait, que nous devons mener tout de suite, qui combine sécurité et justice.
Parce que la sécurité et la justice, c'est le fondamental. Puis il faut que les gens dans le pays aient dégagé, aient habitué à dégager. Mais les gens le vont côté. Ils ne peuvent pas traverser Matissan, ils ne peuvent pas mener l'activité. Ou bien ils ont vieux tel, les gens qui monté sous l'île ou voulez, ils ont petite boutique, les gens qui pillé, ou bien ils ont magasin, j'ai pillé, magasin Valérie Canes là. Et ou pas qu'à faire un pays avancer dans ce sens là. Qui fait composante sécurité, justice, c'est tous les deux qui marchent ensemble. L'air de sécurité, ce n'est pas seulement mettre la police campé à examen. Il y a toutes des dispositions qui doivent prendre. Parce que son pays a une disparité sociale, une tension sociale dans le pays. Et dans le quartier populaire, ça y a les ghettos, ce n'est pas plus présence de monde qui a des armes légales, mais ça des policiers qui peuvent faire problème à résoudre. Il faut qu'il y ait une présence de l'État. Alors pour moi-même, l'on prend justice, sécurité, ou gagner. Aspect disparité sociale là pour nous tenir compte là-dedans. Il faut l'État présent dans le quartier populaire. Et là, on a parlé de justice là, il faut que nous ne pas prendre comme un bagage en l'air dans nos sociétés. Nous avons 4 niveaux de justice. Nous avons la justice civile qui traite litiges entre citoyens et citoyens, problèmes de divorce par exemple. Nous avons la justice pénale. Tout ça qui c'est infraction à la loi, tout le monde pas là-dedans, voler pas là-dedans, etc. Ou gagner la justice administrative, tout est différent qui gagne entre un individu et l'État, monde qui volait l'argent de l'État, par exemple, monde qui pas payé taxes, par exemple, c'est la justice administrative. Et l'autre justice qui d'ordre politique et moral, c'est la justice sociale, qui dit faut tout le monde gagne même droit. Et société à deux chita sous solidarité, surtout un pays pauvre dans Haïti. Je pense que c'est notre philosophie ça pour nous créer une ambiance vive ensemble non, qui pour faire nous retirer le pays à la crise, pour nous mettre dans une dynamique de stabilité. Si nous n'avons pas une stabilité politique là, nous ne pouvons jamais créer prospérité pour un bien-être pour tous les citoyens vivre plus bien dans le pays d'Haïti. Nous allons refermer l'émission, M. Paul, c'est le Premier ministre Ariel Henry, c'est lui-même qui l'a. Est-ce que selon vous, Dr. Ayari, il a les moyens de sa politique pour le vivre, faire le travail que l'ISIL doit faire? Non, personne n'a pas de moyens politiques. Ou l'État, en lambeau, ou une bonne institution qui désorganise, désarticule, quel que soit le monde qui est sous pouvoir, je dis, il faut considérer comme un soldat de bonne volonté. Et il faut nous considérer comme tel pour nous avoir volonté et délai. Jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce que le montre vraiment qu'il n'y a pas de volonté à aller de l'avant. Mais je dis, ce sont combien pour nous faire pour nous retirer Haïti dans sa lière. Une personne que le docteur Ariel Henry ou l'autre, pas de moyens politiques, parce que moyens politiques là, chita sur la force et la capacité des institutions à agir. Nous avons des partis de l'opposition qui ont même quelque fuck là-haut, hein? J'ai un gouvernement monté, il faut qu'on accorde politique. Il y a des acteurs au niveau de la société civile qui continuent de faire un compte, même quand tu peux voir semaine ça, pour faire une proposition, parce que quoi, Jean-Bala est là, il n'est pas mené vraiment vers la stabilité. Quand on se situe. Moi-même, il y a parlé de facto, de consensus, ce sont des mots. Et là, il y a une bonne bagaille qui charrie. Je ne sais pas qu'on a fait transition en mi-temps transition. Moi, je pense qu'il faut renforcer. Et transition qu'a fait là. Je pense qu'il faut qu'on contre-pouvoir. Le fait que par un parlement, société civile, là, parti politique ou qu'a travaille, pour gagner un contrôle sur ça, équipe, monsieur, docteur Ariel Henry après le faire. Et il est capable de tout intervenir dans la formation conseil électoral. Monsieur Henry pour le mettre, parce qu'il y a un bagage qui est urgent. C'est vrai qu'il y a une urgence politique pour faire élection, pour créer. Sécurité, justice, mais il y a un grand goût à tout, il y a une misère à tout. Et je dis à les gens qui sont dans le pays d'Haïti, je ne dis pas qu'ils toujours un coup nous, et les gens qui sont dans le pays, ils ont un effort pour nous faire pour que le peuple ait un soulagement. Si le peuple n'a pas aucun soulagement, il n'y a jamais de conditions pour nous faire démocratie avancer. L'idée pour de visiter Daniel Foutla, comme on voit, est spécial, va continuer à faire, ça a servi à un bagage selon vous? Bon, les États-Unis sont puissance liée. Ils ont une responsabilité au moins morale dans ce qui passe en Haïti. Mais les États-Unis sont toujours dépassés par ce qui passe en Haïti. C'est ça qui fait de temps en temps qu'ils voient au monde. Et moi-même, je pense qu'il faut faire très attention. Par exemple, ils ont pensé qu'il faut une élection faite en septembre. Mais tout Haïtien qu'on a une élection pas faite en septembre. Et là, on a parlé d'élection. En plus, le monde n'est pas d'accord avec le projet président Jovenel Moïse pour le faire un référendum.
Moi-même, moi, j'ai un désaccord sur terrain vide institution. Nous pas capable d'une bonne contradiction article 134, inversé article 134, fait interprétation par eux. Président Mouri, nous pas gagné, nous pas capable de dire référence claire pour nous remplacer, nous avons contradiction d'interprétation article 149. Nous pas qu'à continuer comme ça. Il faut nous reposer problème constitution hein, pour nous gagner une constitution allégée. Nous avons souhaité une constitution qui fait élection chaque 5 ans, nous pas qu'à faire élection chaque 2 ans, nous sommes pas capables de faire. Alors, que nous gagnons un agenda réaliste, nous pas pour une transition très longue. Même pas pour une transition rabâchée non plus, il faut profiter, poser problèmes structurels pour nous retirer le pays dans l'ambiance de crise récurrente qui trouvait depuis très longtemps. Merci infiniment, M. Paul, parce que tu es disponible. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Voilà, invitez-nous à terre, c'est un Premier ministre, Evans Paul. Merci tout le monde qui t'a suivi, M. Ponsa, tout avec nous en direct. Bonne journée. Si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée. À bientôt. Voilà. Et merci avec tout le monde qui débranché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous débranché. Pas oublier vous nous abonner avec chaîne là. Et toujours songez pour activer petite cloche là. Les nous la gon vidéo pour capable joindre nous son babé à chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde. Une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.